comment de potassium, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça a dans comme conséquence. Manger du pain, c'est une affaire quotidienne au Togo. Mais certains constituants du pain peuvent se révéler cancérigènes ou même rendre leur consommation fatale. C'est ce sur quoi l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, OADEL, a choisi de mettre la lumière à cette conférence ce mardi. Il s'est avéré que les boulangères et les boulangers utilisent un améliorant qu'ils appellent comprimé B, qui permet au pain de gonfler, de garder sa forme. Mais dans les recherches, nous avons trouvé que le produit utilisé pour faire ce genre de pain est en fait un produit cancérigène. Le bromate de potassium, communément appelé Bevia, est un produit ajouté à la farine qui sert à faire le pain et d'autres aliments similaires. S'il présente des avantages économiques aux boulangers, le bromate de potassium s'avère cancérigène. En augmentant le volume du pain, eux, ils gagnent en argent. Mais au niveau santé, ça détruit la population. 10 ans, 20 ans après, vous allez constater des cas de cancer qui apparaissent. Donc c'est ce qui motive cette rencontre pour pouvoir sensibiliser les boulangers, pour leur dire ne fabriquez pas des pains dangereux pour la population. Car vous le savez, tout le monde consomme du pain. Cette vérité, la plupart des boulangers la connaissent, mais certains d'entre eux continuent d'utiliser le bromate pour ses avantages économiques. Les témoignages sont saisissants. Dans sa politique de promotion de la consommation des produits locaux, OADEL attire l'attention sur les dangers liés à la consommation des produits contenant le bromate de potassium. Pour cela, le bon pain est fabriqué avec d'autres produits de substitution qui sont bons pour la santé. Il y a des améliorants qui remplacent. Il y a un qui a été contrôlé qui contient de la vitamine C et des enzymes qu'on appelle le sweet bread. Il y a une levure instantanée qui est vendue sur le territoire par la société togolaise des grands moulins du Togo. Ces produits-là sont des produits qui ont fait leur preuve. Consommer local, c'est aussi consommer le vrai pain sans bromate de potassium. Interdit dans plusieurs pays depuis des décennies, le bromate de potassium, communément connu sous le nom de Bevia, est toujours commercialisé au Togo à un prix très bas. Des dispositions légales sont en train d'être prises pour également mettre fin à sa commercialisation au Togo.